Salut à tous et on salue surtout pour l'épisode 19 de Crash Bandicoot 4. Donc, la dernière fois on avait commencé cette map là, donc la zone préhistorique. Donc voilà, donc, on a commencé celui-là. Donc on avait galéré à prendre un passage. Voilà, il fallait glisser sur des brindilles. Et là, comment dire, on va jouer Cortex. Voilà. Non, ce qui va donner assez plus tard à d'autres niveaux avec Corté. Voyons comment ces prédateurs préhistoriques apprécient les nouveaux réglages de mon blaster. Ils se sont moqués de moi quand j'ai ajouté la blockification. Qui est-ce qui rigole maintenant? C'est moi! Hop. Voilà. Nouveau Cortex. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Cortex? Tirer avec son fusil. Le gameplay de Cortex est plutôt sympathique. Thank you.
Oh. Ah, t'es vicieux, c'est tout. Il est trop grand mourir, quand même. Ça rebondit. Thank you.
j'arrive à le faire sans trop de problème, mais du premier coup. Je n'ai jamais essayé un repère dans un volcan. Les gentils ont des repères dans des volcans. Tant de choses à apprendre. Thank you.
En y réfléchissant bien, pas de repère dans un volcan. Mes poils de narine grillent déjà. Je n'avais pas vu de champignons si gros depuis la fois où j'avais laissé tourner le gigantotron toute la nuit.
Le cortex du gameplay sur PC, pas trop mal, voilà. Il reste encore pas mal de niveaux. Il reste, je crois, le niveau de la gravité, enfin le niveau dans la ville. Il reste. Bon, je pense qu'il restera peut-être 10 zones à faire. Ouais, du coup, ça reprend le niveau de cortex. Voilà, là-bas. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour l'épisode parce que là, vu que j'ai galéré, ça va faire long. On finira l'épisode ici, je pense, dans le prochain. Et on développera pouvoir peut-être un autre niveau, voilà, en plus. On développera une nouvelle map. Je vais rester le temps pour faire le niveau de cortex dans la glace, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour la vidéo, si vous avez fait ça, plus bye.